Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un épisode de pluie et surtout mais de vent qui vient de débuter. J'étais mais vraiment surpris parce que là c'est vraiment un gros bazar. La ligne d'averse qui venait de l'Eure-et-Loire, elle était toute petite. J'ai dit bon, oh, c'est pas très grave. Et là, mais le vent, ouah, le vent qu'il y a. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un seul coup, et j'ai entendu un bruit, j'ai dit, il y a eu un craquement. Et je me suis dit, mais c'est bizarre d'avoir un craquement comme ça. Et effectivement, il y a une grosse bourrasque là qui est arrivée. Regardez, ça continue en plus. Regardez ça. Regardez le sol, comment il bouge. Puis les rafales de vent. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette tempête? Regardez ça! Yon, la verse là, elle est costaud, hein. Et ça m'a surpris. Yon, il y a des feuilles qui volaient tout. Hier, c'était le calme, tout se passait bien, il y avait du gel. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une averse, mais puissante! Oh là là! Oh, le vent qu'il y a! Encore là, ça se calme. Alors là, j'en reviens surtout pas. Ah, le grésil! Le grésil arrive! Regardez, ça saute par la toiture, là. Oh là 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 là! Oh là là, le grésil! Alors, à mon avis, vous voyez... Oh, punaise! Vous ne voyez pas, mais ça tombe, le grésil! Regardez, le verre! Oh, punaise! Oh! Oh là 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 là! Oh, c'est de la grêle, là! Oh là 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 là, la tempête, là! Oh la vache, comment ça se met à tourner? Regardez le grésil! Eh ben dis donc, c'est vraiment inattendu là! Oh, oh là là! Alors là, c'était pas prévu! Oh, y a le beau grésil qui saute là! Le vent s'est bien calmé! La nuit elle arrivait dans 5 minutes, même pas! J'ai regardé le radar, j'ai eu une petite averse, c'est rien de très méchant! Et en fait, y a du grésil là, hein. Le sol il blanchit à moitié. C'est surtout le vent qui était très puissant. C'est dommage que j'ai pas fini un peu plus tôt. Ah, ça m'a surpris là. Là, c'est un beau grésil qui tombe. Puis comme il fait sombre, vous ne voyez rien. Ah, c'est très dommage. Attendez, je vais allumer. Alors peut-être que vous verrez un tout petit peu. Là, c'est un petit grésil fin qui tombe avec un peu de pluie. Le vent s'est calmé là. Alors là, comment j'ai... Je me suis dit... Alors quand même, il y avait un risque, hein, par Kéronos. Mais la joyeuse averse dit, oh, c'est une toute petite averse. Et quand même, c'était en train de se réactiver sur le vent de moi. Mais c'était il y a une demi-heure de ça. Hein. Ah, c'est de la pluie, là. Oh là là, la bourrasque de vent. Alors, je sais pas combien il y a eu. Mais en tout cas, c'était... Là, c'est continu le grésil. Hein. Un peu plus de pluie, là. C'est plus de l'eau qui tombe beaucoup. Mais à mon avis, vous ne voyez rien. Punaise, c'est vraiment surprenant, quand même, de voir ça. Mine de rien. Ah là là. Bah dis donc, cette averse, elle est vraiment surprenante. Je voyais quand c'était noir, il y a 15 minutes au fond, et je me suis dit, oh, ah la vache quand même. Là, c'est plus que de la pluie, il n'y a plus de vent, enfin, presque plus. Donc je pense que... Bon, c'était une brève, mais modérée quand même, averse, hein. Ah punaise, comment c'est surprenant, faut toujours être à nos gardes et puis surtout ne pas critiquer la nature parce que voilà ce qu'elle peut faire la nature. Donc ça faisait longtemps. Ah, ça s'en remet à tomber. Le grésil, oulala, oulala, oulala. Oulala, ça commence à être un peu plus gros même là. Écoutez le bruit. C'est du grésil, hein. Oh, je sais pas si vous voyez où ça pique, hein. Ouh là là.
Ah, presque de la grêle. Du petit grésil. C'est des giboulées hein, d'hiver. Hein, c'est... Oh là là, oh, ça saute. Hein. Faut faire attention. Donc là, à l'abri, là où je suis, il fait 10 degrés. Et sinon, on enlève directement 3 degrés lorsqu'on est dehors. Le grésil continue à tomber. Là, ça y est, ça recommence. Ah, punaise, et c'est surprenant. Hein. Faut être sur nos gardes constants. Donc je disais, avant que ça recommence, le grésil, là, que... Ouh là 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 là, quand ça tombe de plus en plus. Je vous disais donc que faut être sur nos gardes et puis que aussi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les phénomènes climatiques et je vous réserve même une petite surprise pour la fin de l'année, vous verrez ça. Je sais pas si cette averse sera prise en compte. C'est dommage que j'aie pas filmé, j'entends un gros craquement hein, pour, avant de commencer. La vidéo, ça c'est un coup de feu, c'est pas pareil. Ça sort comme à nouveau. D'ailleurs, il y en a qui chassent en ce temps-là. C'est pas... Oh, il fait très gris. L'obscurité est arrivée. Je ne sais absolument pas ce qui peut se produire encore, mais... Alors là, c'est une grosse surprise. Mais vraiment, oula, le vent il recommence là. Oh les bourrasques. Oula là là là. Et regardez ça un peu. Encore là c'est moins puissant. Regardez, le vent est au nord-ouest. Alors que la nuit vient pas du nord-ouest mais du nord-est. Il y avait un orage tout à l'heure sur la Touraine. Alors, je sais pas si c'est lui, je pense pas. Je pense que c'est plutôt l'averse qui venait de l'Eure-et-Loire et du Vendômois. Aux abords, ça commençait à se gâter déjà. Hein. Mais ça, c'était pas à ce point-là, je pense. Hein. Ah la vache. Là, ça se calme, mais le vent se relève, là. C'est plus que de la pluie qui tombe. Et au loin, ça fait un espèce de son un peu bizarre. Je sais pas si je dois arrêter cette vidéo ou non. Parce que le ciel est tout gris, vous voyez. Et donc, on sait pas ce qui peut se passer encore. Hein. On va se mettre un peu là. Attendez. Est-ce que... Ouais, au fond, c'est clair. Donc, la nuée est en train de filer vers contre, là-bas. Ah oui, en effet, hein. Ah, voyons, c'est vraiment très surprenant hein, ce genre d'averse. Hein. Donc, je pense qu'on va se laisser sur cette averse. Alors, je sais pas si ça va continuer. Alors, si ça continue, je reprendrai la vidéo. Et en tout cas, c'est vraiment surprenant. Donc, voilà pour cette vidéo un peu brusque, je l'admets. Et sinon, on va se retrouver pour le prochain phénomène climatique intense en Sologne. Et je vous dis à plus et n'hésitez pas, si cela vous a plu, laissez un petit pouce vert ou un commentaire si vous avez une question. Et en tout cas, à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.